Et merci aussi à tous les étudiants, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Ils ont déployé beaucoup d'énergie pour mettre en place ce projet, et beaucoup d'imagination, beaucoup d'émulation. Et donc, vous verrez cet après-midi surtout Mathieu Desperoux, Kevin Baïs et Blandine Labelle-Verte. Vous en avez une... Deux dons. Et mais il faut savoir que tous ont beaucoup travaillé, y compris ceux que vous ne voyez pas, qui se sont aussi beaucoup impliqués. J'aimerais pour commencer dire quelques mots de cette formation, le Master en métier d'écriture. C'est la première formation de ce type en France qui a vu le jour en septembre 2012 et qui a été initiée à l'Université de Générale par Jacques Durand-Matt, qui est maintenant parti à la Sorbonne. Dans cette formation, il s'agit d'apprendre à écrire et de faire des étudiants autant que possible des professionnels de l'écrit. Je pense au métier d'écrivain, mais aussi à celui de biographe, rédacteur, etc. Les rencontres littéraires telles que celles d'aujourd'hui sont des jalons très importants dans la formation, puisqu'elles permettent d'instaurer un dialogue entre ceux qui inventent la littérature d'aujourd'hui, vous les écrivains, les étudiants et les universitaires théoriciens de la littérature que nous sommes. Donc c'est vraiment un moment clé de leur formation. On fait vraiment un pari très fort, celui de dire que oui, ce dialogue avec un écrivain peut engager et confirmer les étudiants dans leur processus d'écriture. D'écriture longue, créative et assumée. Aujourd'hui, nous allons discuter avec vous, Maïlys, non pas seulement de votre dernier roman, Préparer les vivants, qui vient de paraître aux éditions Verticales, mais de l'ensemble de vos textes, et notamment Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, pour lequel vous avez obtenu le prix Médicis en 2010, et Tangente vers l'Est. Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, Tangente vers l'Est, ou encore Je marche sous un ciel de traîne, Dans les rapides. Une très brève poétique des titres montre d'emblée l'importance que vous attachez au lieu. Et c'est pourquoi nous avons décidé de centrer cet après-midi autour de la question de l'espace et autour de cette question, comment l'espace s'inscrit-il dans vos romans ? Le déploiement des lieux. C'est vraiment ce qui m'a touchée quand je vous ai lu pour la première fois, lorsque j'ai découvert Corniche Kennedy en 2008. Dans ce roman, les personnages adolescents habitent une zone limite, qui est la corniche, mais ils habitent aussi le ciel. Dans le mouvement du plongeon, et avant d'effleurer la surface de l'eau, ils se fondent absolument dans le ciel. Ils s'y déploient comme des corps sans organes, des corps traversés d'intensité, des corps animaux, autant de métaphores deleuziennes qui, me semble-t-il, décrivent assez bien vos romans. Dans votre dernier roman, Simon Lambre devient aussi le monde. Et j'aimerais lire un très bref passage. Je ne vais pas être très longue, hein, vous inquiétez pas. Et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère, celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de s'en concilier les éléments, de s'incorporer au vivant. Et une fois debout sur le surf, on estime en cet instant la hauteur crête-à-creux à plus d'1,50 m, étirer l'espace, allonger le temps, jusqu'au bout de la course, épuiser l'énergie de chaque atome de mer. Devenir déferlement, devenir vague. Il prend ce premier ride en poussant un cri, et pour un laps de temps, touche un état de grâce. C'est le vertige horizontal. Il est au ras du monde et comme procédant de lui, agrégé à son flux. L'espace l'envahit, l'écrase tout autant qu'il le libère, sature ses fibres musculaires, ses bronches, oxygène son sang. La vague se déplie dans une temporalité trouble, lente ou rapide, on ne sait pas. Elle suspend chaque seconde, une à une, jusqu'à finir pulvérisée. Amas organiques sans plus de sens. Et c'est incroyable, mais après avoir été tabassé par les cailloux dans le bouillon de la faim, Simon Lambre a fait demi-tour pour repartir direct.
En fait, il se trouve dans ces textes ce que j'ai assez désespérément cherché quand je faisais un travail de DEA, à savoir une légèreté qui permet d'habiter le monde, ce que j'avais appelé à l'époque une gaieté à génie, une forme de joie spinoziste, profane, laïque, qui permet de s'inscrire dans l'espace et dans la durée qui sont les nôtres. Donc avant d'ouvrir la voie des possibles, puisque c'est le titre que nous avons donné à cette rencontre, quelques mises en garde. D'abord, ce clin d'œil à Gilles Deleuze permet d'introduire le fait que cette rencontre sera un abécédaire. Nous allons aborder vos pratiques d'écriture, Maëlys, sous cette forme-là, et sous vos yeux ébahis, vous allez voir prendre forme la parole inédite de Maëlys, celle qui est à la fois rompue et ininterrompue, celle qui est brisée, celle qui permet d'esquisser des pistes multiples et qui permet de créer un rhizome de possibilités de lecture. Et cette rencontre littéraire est aussi une rencontre en chantier, puisqu'elle sera ponctuée de 3 lectures spatialisées de vos textes, Maëlys. Et il s'agira alors de faire entendre vos mots, de faire éprouver votre langue à tous ceux qui sont ici. Nous voudrions, je vous cite, faire briller l'espace dans nos cordes vocales, faire vibrer, pardon, mais briller aussi, et former le tableau sonore où se greffent souffle et chuintement de salive. Cette expérience sensible a été rendue possible grâce à la collaboration du musicien et électroacousticien Marin Bonazzi, grâce à son travail et à ses compétences, et je voudrais donc le remercier très chaleureusement maintenant. Je précise aussi que vous pourrez poser toutes vos questions à Maëlys à la fin de la rencontre, pendant un temps court mais prévu. Et je vous remercie aussi d'éteindre vos téléphones portables, puisque nous filmons la rencontre et donc ce sera plus agréable pour tous. Voilà, je laisse la parole aux étudiants donc, et à Maëlys. Merci de votre écoute. Bonjour. Donc, on a décidé de malmener un petit peu l'alphabet aujourd'hui, puisque notre abécédaire commence par la lettre G, de façon complètement arbitraire, puisque c'est un G comme géographie. Mathilde vient d'en parler longuement, mais c'est vrai que la notion de géographie est vraiment très présente tout au long de votre œuvre, les termes de lisière, d'espace, de territoire, de frontières sont réellement récurrents. Et vous avez cette passion commune avec les géographes de vous interroger sur l'espace et sur comment les hommes occupent et habitent cet espace et d'essayer de saisir un peu ce frottement qu'il y a entre l'humain et le lieu. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu plus de ce G comme géographie. Alors, l'histoire de la géographie, c'est tout un truc dans le roman, parce que j'ai l'impression que déjà, ce qui sous-tend quand même les représentations que l'on se fait du roman, là je parle sous votre contrôle, on peut dire, c'est quand même que le roman est un art du temps, en fait. Alors il y a quand même toute l'empreinte de Proust, je pense, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que, en fait, c'est l'axe... La colonne vertébrale, ce qui vertèbre le roman, la création littéraire, c'est un rapport au temps. Et c'est vrai que, on en parlait avec Jean-Yves Richesse à propos de Claude Simon, c'est vrai que qui lui-même est vu comme un auteur à mettre en rapport avec l'histoire, qui a été davantage regardé, lu, et fait l'objet de travaux critiques à l'aune de son rapport avec l'histoire, c'est vrai qu'on peut tout à fait... décaler cette forme de présence et envisager aussi l'écriture et l'écriture du roman comme un art de l'espace, c'est-à-dire en tout cas une pratique qui induit immédiatement une prise en charge de la géographie, c'est-à-dire de le fait que chaque livre, chaque roman déploie, instaure des espaces. D'abord, dans les espaces qu'ils convoquent, bon, par exemple, et leur choix, c'est vrai que ces espaces sont les motifs qui
cristallise mes derniers romans, en tout cas ceux dont on a parlé. Le premier, donc, c'est un livre dont moi j'ai longtemps parlé comme un livre de contact, un livre de rivage, enfin un livre de lisière, de limite, de frontière. Enfin, il y avait quand même cette ligne de la corniche qui fait cette espèce de zone de porosité entre la ville, la grosse ville en plus, qui est évidemment Marseille, mais qui n'est jamais nommée comme étant Marseille dans le livre. Enfin, c'est Marseille une ou deux fois. Et finalement, c'est pas du tout un livre de Marseille, c'est un livre de la corniche, quoi. Un livre du boulevard maritime. Et la ville, et c'est le monde de la loi, c'est le monde du droit et des hommes. Et il y a ce contact avec un monde beaucoup plus mystérieux, qui est celui de la mer, des pulsions, un monde très organique, plus violent, et qui est un peu le monde du désir, et notamment donc, dans cette espèce de passion qui s'organise autour des plongeons, enfin en tout cas que mettent en scène tous ces plongeons. Et c'est vrai que dans ce livre-là, j'avais fait des tentatives avant dans ces petites nouvelles de Ni fleurs ni couronnes, enfin c'est deux grosses nouvelles, mais c'est un recueil qui contient que deux nouvelles, donc c'est un petit peu pour recueil de nouvelles. Mais c'est vrai que déjà il y a cette idée de l'espace, et qu'est-ce que ça induit comme type d'écriture. Et dans Corniche Kennedy commence, enfin s'amorce ou s'affermit l'idée de la description. L'idée que, par exemple, écrire l'espace, c'est d'abord, enfin ça passe par une description et la tentative de la phrase totale, c'est-à-dire celle qui va prendre dans son revers, dans son lasso, dans son filet, un peu toute la réalité, dans sa corporéité, on peut dire, les matières, les couleurs. Le Corniche Kennedy commence par quand même une trentaine de pages sur une description quasi géomorphologique, topographique et très physique de ce que c'est qu'une corniche, c'est-à-dire ces espèces de zones rocheuses où la mer affleure, mais ce ne sont pas des plages. Il y a quand même la ville qui est tout de suite construite derrière, etc. Comment c'est peuplé? Finalement, on ne peut pas trop s'y installer. C'est un peu des zones dont on dirait qu'elles sont peuplées par des populations interlopes, des zones d'entre-deux, etc. Et c'est intéressant, cette histoire de description, parce que c'est un premier geste d'empathie, c'est un premier geste littéraire qui consiste à donner, à voir, enfin à saisir, à sentir un rapport au monde sensible. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'essaie d'exprimer quand je dis, par exemple, que je recherche une littérature de contact au sens de, il y a quand même l'idée de la matière, il y a l'idée du toucher. Après, le pont, c'était encore quelque chose d'assez qui organisait des espaces. Alors de façon assez différente, mais parce que l'espace du pont, c'est un espace totalement, enfin le lieu que le livre essaie d'instaurer n'existe pas, hein. C'est d'ailleurs une atopie totale, c'est un lieu trouble, c'est une ville mutante, et c'est une forêt archaïque, à peine partagée par ce fleuve, et c'est un espace totalement imaginaire, pour autant qui est, j'allais dire, sourcé par des motifs réels, en tout cas pour lesquels j'avais une espèce de visée réaliste, qui étaient les grandes villes de la mondialisation et l'effervescence, les villes dopées à l'économie mondialisée, donc pour Coca, et puis au contraire, en face, ces espèces de forêts qui fonctionnent comme des protections, comme des membranes, comme des gants un peu archaïques et sauvages, où le temps finalement s'est arrêté, des espèces de poches d'alvéoles d'éternité, où les hommes vivent sans rapport au temps, de fait, et simplement dans un rapport à l'histoire. Pardon, et simplement dans un rapport à l'espace. Et pour moi, cette,
ce livre, organiser quand même tout cet espace, parce que l'idée c'était de savoir si on allait pouvoir créer ce pont et donc démocratiser cet espace dans un premier temps, mais qui était aussi une menace, parce que cette espèce d'augmentation de la circulation allait détruire aussi cette forêt. Il y avait un enjeu qui était proprement géographique, voire écologique, etc. dans ce livre. Et l'écriture était déjà extrêmement, je trouve, assez spatialisée. Enfin, les phrases, notamment quand que ce soit celles qui travaillent la construction du pont ou qui décrivent la grande forêt de coca, pour moi, il y avait déjà des tentatives de spatialisation. Et je pense que c'est lié à une écriture qui s'écrit aussi beaucoup au présent et qui est comme ça qui se déploie sur un arc descriptif, et c'est écrit dans les premières pages du livre, à la culotte des choses, c'est-à-dire un espèce d'angle de description qui est un peu au ras du réel, de façon à la fois avoir un rapport totalement frontal et totalement de contact avec le sujet, sans surplomb. Et sans surplomb, parce que le surplomb, pour moi, c'est le discours, et que la littérature de contact, elle n'autorise pas le discours, en fait. Elle le détruit. Et en même temps, il y a ce surplomb, je pense à toute la description de la descente sur Coca en avion de Didier, ouais. Où il y a vraiment une description de l'espace très géographique, ouais. Et très matériel aussi, et en hauteur du coup. Oui, mais en même temps, elle est traitée, c'est vrai qu'elle est traitée comme une vision d'image, en fait. Hein. C'est comment le pied après pied, comment on descend. Mais alors c'est vrai que c'est le moment de la hauteur, de même que qu'il y a des moments de contemplation depuis des panoramas en hauteur de la ville. Mais je parle d'un surplomb qui est celui de l'explication, qui est celui du discours. Alors que je pense que même quand il y a ces pages sur la descente sur Coca en avion, ou les moments où Diderot pédale un peu et s'éloigne et monte autour de Coca, néanmoins, son regard reste un regard qui se place au ras de la topographie, au ras du terrain, en fait. Un regard de terrain. Et dans Tangente vers l'Est, alors là, c'est un livre qui affirme très fortement un jeu sur l'espace, puisque c'est un huis clos dans un wagon, un huis clos en mouvement, donc qui met en place deux espaces, l'espace infiniment dilaté et pour autant de clôture politique, parce que c'était ce paradoxe-là qui était intéressant, qui est l'espace de la Sibérie, enfin, que je me représente comme une forme de clôture politique, parce que espace de violence, de relégation, espace qui s'est construit politiquement comme l'espace des réprouvés et l'espace de la prison, de l'enfermement. Donc c'est l'enfermement dans un lieu tellement immense qu'il en devient une prison, finalement, par l'abolition, par sa dilatation excessive. Et ce train qui file, qui traverse cet espace, et qui au contraire met en place un espace compartimenté, exigu, etc. Mais au-delà de ces trois exemples de romans, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce que ça donne sur le temps de l'écriture, parce qu'on peut mettre en jeu des espaces, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que la phrase, elle met en jeu un espace, c'est-à-dire dans sa structure même. Et par exemple, dans le dernier livre, je reprends un peu ce que je pouvais dire ce matin, mais pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, ça sera de toute façon, j'espère, assez intelligible. C'est l'idée que comment on se représente le roman, en fait. Comment on s'en fait une représentation, comment on se représente son travail. Et c'est vrai que j'ai pu parler d'un espèce d'objet qui avait sa matérialité, ses couleurs et sa consistance physique, mais ce sont aussi ça peut prendre d'autres formes. Et par exemple, dans Tangente vers l'Est, évidemment que l'espace est une ligne. Enfin, que le livre, pour moi, il est assimilé à une ligne qui est exactement une tangente, c'est-à-dire par rapport à la circonférence de la Terre, c'est-à-dire la tangente étant la droite qui vient toucher une courbe, un cercle en un point.
pour moi, c'était absolument la forme, dans la définition même de la tangente, ça incarnait totalement la forme du livre, parce qu'il y avait ces rails en Sibérie, la ligne couvrant un quart de la circonférence terrestre, et dans l'idée du toucher, du contact entre ces deux êtres. C'est un livre sur le toucher, puisqu'il n'y avait pas le langage. Et rien que dans la façon dont cette ligne pulse, se déplie, j'avais l'idée de ce qui était pour moi la géographie intime du texte. Dans le pont, c'est davantage l'arc, est-ce qu'on peut faire un troisième paysage, etc. Dans le dernier livre, Se réparer les vivants, je me disais réellement, ce qui serait bien, c'est de travailler à capter ce qui serait une écriture du cœur, alors. C'est-à-dire une cardiographie, ce qui pourrait être, comment le livre pourrait être une cardiographie avec une vascularisation particulière, qu'est-ce qui pourrait pulser, fuiter, l'aspect très veineux, l'aspect pompe mécanique, les emballements, le côté tachycardique de la peur, et en même temps, voilà, ces moments où finalement un ours s'assied sur votre poitrine et qu'est-ce que ça écrase en vous. Là, je me disais, c'est une scène, enfin, c'est une image du lieu. Et donc, et pour moi, c'est ça le cœur de la spécialisation. Il y a ce qu'on peut, parce qu'à la limite, un roman qui se passe entre quelques personnes autour d'une table dans un restaurant peut donner lieu à un même type d'écriture spatialisée. Je veux dire par là que c'est pas forcément le choix de l'espace qui est à l'œuvre dans le roman qui va provoquer ce type d'écriture. Cette écriture, elle peut être là, elle est pour tous les espaces possibles. Pour finir, il y a deux choses qui, moi, gouvernent quand même ces histoires de mots mana dont j'avais parlé. C'est vrai que le premier mot qui, pour moi, reconduit le travail littéraire que j'essaye d'accomplir, c'est quand même le mot paysage. C'est-à-dire, je l'explique pas complètement, mais c'est vrai que pour moi, écrire, c'est quand même instaurer un paysage. Et un paysage au sens de Gilles Clément, c'est-à-dire, la façon dont Gilles Clément peut définir, c'est un paysage, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de votre regard ou sous l'étendue de tous vos sens, si vous ne pouvez pas voir, et ce qui demeure en vous quand vous fermez les yeux ou quand, voilà, quand cette expérience, c'est... Il y a l'idée de la trace, l'idée de ce que ça infuse encore. Et le deuxième mot, c'est le mot d'étranger, c'est-à-dire l'idée que il y a quand même d'emblée dans l'idée de la spatialisation un rapport à l'agencement des espaces qui sont les espaces que l'on crée, totalement imaginaires, etc., mais qui sont intimes ou étrangers. Et moi, je pense que ce qui active un désir d'écriture chez moi, c'est quand même un rapport à l'étranger. Mais il y a quand même l'idée de la frontière, de la limite. Moi, c'est quand même une écriture qui s'organise autour de ce type d'espace. Mais l'idée de l'étranger est assez importante pour des tonnes de raisons. Mais la première, c'est que je pense que c'est dans cet espace qui m'est inconnu, la construction des ponts, la technique, la médecine, la Russie, les trains, ça, que se déclenche mon désir d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a dans la conquête de cet espace-là que moi je trouve le geste éthique, mais aussi empathique de l'écriture, c'est dans l'idée d'aller toucher ça, et je pense aussi que ça construit l'idée que j'écris dans une langue qui est étrangère, enfin cette fameuse, souvent, sensation que l'on peut avoir d'être le traducteur de sa propre langue, enfin qui a un rapport à l'étranger qui travaille la langue. Pour toutes ces raisons, il est question que de géographie dans mon travail. Le paysage devient presque plus important que l'intrigue romanesque en elle-même. On sent que c'est le prétexte. C'est un problème parfois. Oui, je veux dire, c'est un problème parce que c'est sur l'intrigue réellement. Je veux dire, c'est une fragilité de mon travail. Je vois bien que. Dans, par exemple, le cas pour moi le plus celui que je regarde avec
j'ai de l'amour pour ce livre, enfin bien sûr, mais je vois bien que dans Corniche Kennedy, l'intrigue, c'est vraiment une part tellement fragile du livre, et qu'en fait tout ce qui me, tout ce que je retiens et tout ce vers quoi je retourne quand je l'ouvre, c'est quand même toute cette histoire de saut, de géographie, de rapport à l'espace, de rapport du corps à l'espace et comment on habite effectivement des mondes physiques et sensoriels. C'est une transition parfaite avec Kevin qui va. Oui, car pour habiter la géographie, il faut des corps. Et donc on va parler de l'écriture des corps dans vos romans, qui ont une grande importance dans la manière de les décrire. Par leur diversité, on voit notamment dans Corniche Kennedy parfois des corps prodigieux, notamment quand Eddie saute de la corniche, fait partie du ciel, de l'horizon. On a vraiment un corps qui se transcende, et on a également des corps pleins de carences, notamment au niveau alimentaire, avec les enfants, les jeunes de la corniche. Par contraste, avec cette description très approfondie des corps, on a une description psychologique de vos personnages qui parfois ressemble un peu à des archétypes et sont finalement un peu moins approfondies que la description des corps en fait. Et j'aimerais savoir que vous nous parliez en tout cas de la raison pour laquelle vous avez choisi de faire pencher la balance du côté de la description des corps, de leur interaction avec le paysage, avec la géographie, au lieu d'une psychologie plus exactement. Alors, je pense que le fait de placer je ne sais pas si j'y parviens totalement, mais je parle de mon intention, en tout cas de la façon dont moi je me représente cette histoire-là. Je pense que pour moi, la façon de travailler la psychologie, c'est de passer par l'incarnation. Enfin, c'est-à-dire, c'est un travail autour de l'incarnation au sens de qu'est-ce qui prend corps, qu'est-ce qui prend chair. Et de fait, quand ce matin on lisait ce petit passage de Corniche Kennedy où il était question les corps sont les porte-paroles et les messagers, les gestes sont les annonces en fait décrivent ce qui se passe dans les intériorités. C'est un geste c'est une écriture qui permet d'incarner. Alors, je me suis lancée dans cette piste-là d'abord parce que l'écriture psychologique, c'est pour moi. Je trouve que c'est très très difficile. L'introspection psychologique qui n'expliquerait rien, mais, ou alors le flux de conscience à la Faulkner, etc. Je pense que c'est pas des pistes que j'ai suivies jusque-là, sans pour autant les trouver inintéressantes. Je trouve que ce serait formidable de parvenir un jour à faire un peu de roman de l'intérieur qui serait totalement saisi par une psychologie extrêmement complexe, raffinée, un peu comme il y a dans les romans de Jane Austen, d'Henry James par exemple, qui sont un peu des maîtres de la psychologie. C'est vrai que moi je passe par exactement le chemin inverse, c'est-à-dire par une écriture plus phénoménologique, c'est-à-dire qui capte ce qui se manifeste. Et en même temps, je pense que nos corps parlent. Enfin, je pense que c'est cette histoire du langage des signes. Je pense que nos corps manifestent des choses de nos intériorités. Alors, c'est une écriture qui, à mon avis, est connectée pas mal à l'influence du cinéma, par exemple, le fait qu'on ne soit pas dans les clichés, mais qu'on soit dans une espèce de vision. Et c'est aussi une écriture qui a une portée politique. Alors, je dis tout ça, je veux dire, au-delà de ce qui pourrait être l'évitement ou le fait de ne pas me sentir encore forcément assez d'attaque pour faire ce fameux roman de roman psychologique, hein, où il y aurait une psyché qui siphonnerait absolument tout un texte.
Mais c'est vrai que ce que j'aime dans l'écriture, par exemple, qui commence à se déployer à partir de Cornish Kennedy, c'est une écriture qui propose quand même une lecture du réel qui, pour moi, a une portée politique qui est le statut de la... qui est finalement le statut du vrai. C'est ce qui se manifeste, je peux le décrire. C'est-à-dire, finalement, l'écriture, elle peut tout saisir et tout capter. C'est l'idée de capter le vivant, mais d'en capter les manifestations. Donc, ils sont, les deux jeunes héros sont, découvrent finalement ce trouble du désir au sommet du promontoire rocheux, etc. Les manifestations physiques, je peux les saisir. Le fait que, je ne sais pas, il transpire, il frissonne, il exsangue, elle est comme si elle... ça, je peux le dire. Et finalement, je trouve ça... noter ces manifestations physiques, corporelles, ça me semble tout aussi puissant que d'écrire. Et à ce moment-là, il se disait que peut-être... Etc. Par ailleurs, c'est aussi une façon de lire le réel et de proposer une lecture de ce que l'on vit. Parce que... il y a quand même l'idée que j'atteste d'une foi, enfin d'une espèce d'une prise en compte de ce qui se voit. On peut dire que c'est le règne de l'apparence, d'une certaine manière, c'est le règne de ce qui se manifeste. Et c'est vrai que je restaure finalement l'idée que les manifestations sensibles du monde... ce que mes perceptions peuvent en éprouver, ça pour moi un statut de vérité. Et pour moi c'est beaucoup plus intéressant de prendre ça d'abord en compte avant de commencer tout de suite à se dire, alors c'est vraiment c'est très Deleuzien, mais c'est vrai que avant de se dire mais qu'est-ce qu'il y a, le petit tas de secrets, etc., etc. Déjà qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on éprouve, qu'est-ce qu'on peut percevoir du monde qui nous entoure. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de commencer par de bien écrire, bien regarder, avant presque de se permettre de l'interroger en voulant en voir les... Il y a de tout de suite mettre en doute la réalité, qui me semble une position politique assez pénible, en fait, à vivre. Je voyais... je finis par exemple sur un exemple qui m'arrive de prendre, c'est cet exemple autour de la série américaine qui s'appelait Desperate Housewives. Et c'est vrai que ça m'a choquée, ça m'a marquée cette histoire-là, parce qu'en fait c'est une série où personne, aucun protagoniste n'a l'air d'être ce qu'il est. Enfin, c'est-à-dire que, et avec des clivages ultra grossiers, c'est-à-dire que la personne qui... passe l'aspirateur, qui fait ses cookies, qui est la bonne mère de famille et housewife américaine, elle est celle qui a une sexualité complètement déviante, etc. Et c'est ridicule, en fait. C'est-à-dire que tous les gens qui apparaissent, il y a le réel nous ment. Mais c'est une façon de ne pas... c'est aussi une façon de ne pas regarder et de ne pas regarder ce qui est pourtant criant et ce qui hurle sous nos yeux. C'est une façon de dire, de toute façon... tout ce qu'on voit, rien n'est vrai. Et ça, quand même, je trouve que c'est très douteux d'un point de vue politique. Mais surtout, cette volonté de zoomer sur les corps des personnages, il y a peut-être également la volonté d'un décalage qui crée de l'humour, notamment la scène du baiser entre Mario et Suzanne, qui est zoomée jusqu'à voir les traits de salive entre les deux bouches. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment humoristique? Parce que je pense vraiment qu'il y a de l'humour au fil de vos romans. Et est-ce que la volonté de coller, de vraiment de regarder avec une loupe vos personnages, est-ce que ça... Il y a derrière une volonté de décalage et donc d'humour. Ça me fait plaisir que ça puisse être vu comme quelque chose d'humoristique, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur l'excès. C'est vrai que... on s'approche un peu près, quoi. Là, dans la scène du baiser, on voit les petites bulles et tout. Bon, c'est une façon, effectivement, de zoomer, de jouer vraiment sur les excès, et aussi de montrer jusqu'où on peut aller dans la description. Enfin, on peut aller quasiment
voilà, de l'infiniment petit au plus grand. C'est aussi une manière de dire que rien n'épuise la description du monde, en fait. Hein, c'est, et la description d'un baiser, bon, c'est 30 lignes, ça peut être 300 pages. Enfin, vous voyez, il y a des moments où c'est aussi c'est ça aussi qui est suggéré. Ce qui revient d'ailleurs souvent dans vos textes, c'est la phrase « ça, personne ne le voit ». Et vous, vous le voyez. Oui, et parfois je dis « je » à ce moment-là, d'ailleurs. Non ? C'est l'idée... Je le vois. Personne ne le sait, mais moi je sais que... Oui, personne ne le voit, mais moi je sais que... Ouais. 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 Oui, c'est une... c'est une façon de passer une tête et d'exprimer ma solidarité avec le lecteur et lui dire « moi je peux voir des trucs et je peux te les dire, mais... » Donc on va peut-être passer à la première lecture de cet après-midi. T'as peur ? T'as peur. Mais tu l'as jamais fait, comment tu peux savoir ? Comment tu peux savoir ce que c'est, le vertige, si tu as si peur ? Il a parlé dans un souffle. Depuis quelques secondes, la fille resplendit sous le soleil horizontal, ciblée en pleine tête comme le Naos au fond du temple. Et sa peau s'est dorée d'un coup, peau d'héritière, lisse et douce, irisée d'ambre solaire, pieds bronzés, ongles nacrés, un paréo tahitien, trois glaçons dans un verre à orangeade, chin chin, va faire ton piano chéri. Et dis trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant à cette minute que cette peau de fille, là, toute concrète, membrane qui palpite, absorbe et transmet, tissu qui capte et décongestionne, rien de plus troublant que cette peau. Ceux-là viennent de Moscou et ne savent pas où ils vont. Cela vient de Moscou, plus d'une centaine, des gars jeunes, blancs, pas albèmes, les bras veineux, le regard qui piétine, le torse encagé dans un Marcel kaki, fut de camouflage et slip pendu, la chaînette religieuse qui joue sur le poitrail, des gars en guise de paroi dans les sas et les couloirs, des gars assis debout, allongés sur les couchettes, laissant pendre leurs bras, laissant pendre leurs pieds, laissant pendre leur ennui résigné dans le vide. Plus de 40 heures qu'ils sont là, à touche-touche, coincés dans la latence du train, les conscrits. Alyosha, son gouffre qu'un battant à la toilette, se jette sous le robinet pour boire une eau potable. Le cou tordu au bas de la vasque, la joue baissée par le tuyau, les yeux à demi fermés. Il reste longtemps, tandis que ça dégouline dans son oreille jusqu'au longtemps, et jusqu'à sa chemise, longtemps, oublié tout. Jusqu'à plus soif, une fois redressé, pisse, puis une cigarette, tire trois taffes, c'est beau, jette le micro dans la cuvette. Voilà. Ils se sont poussés sur le dos, disjoints, parallèles à Mario qui gémit doucement dans son sommeil, et camarades. Frissonnant, leurs cheveux mouillés gouttant toujours dans leur cou glacé. Ils se sont enroulés dans la toile du parasol que le sel a durci et qui pue l'humidité, le poiscaille et l'huile solaire. Suzanne écoute les bruits du dehors, le vent et l'orissac, les souffles dans la cabane et les battements de son cœur. Elle garde les yeux au plafond. Attends que quelque chose se passe. Espère qu'Eddie va la toucher, qu'il passera une paume tiède sous son t-shirt usé. Il avancera sur ses seins qui s'étiennent prêts, le téton au garde-à-vous et la veule souple. Ou qu'il la remontera le long de sa cuisse, la fera ramper sous l'élastique de son maillot pour qu'elle approche son sexe. Et le prennent à sa main.
Suzanne y pense. Se dit qu'il va basculer sur elle. Écartera ses cuisses l'une après l'autre. Le torse soutenu au-dessus du sien par les avant-bras. Le menton à même son front qui transpire. Il va la pénétrer. Ils vont coucher ensemble. C'est la grande nuit qui monte. The big night. Elle tremble. Diderot bascule sur le flanc et prend appui au sol pour se relever, tandis que Jacob, debout déjà, branle sur ses jambes maigres, les bosses des chevilles saillantes dans le coton blanc des chaussettes, bien visibles sous le pantalon trop court. C'est lui qui surplombe Diderot à présent, qui le domine de sa hauteur et d'un corps plus jeune de 10 ans. Mais en cet instant, il n'emmène pas large, s'étonne de ce geste primitif, un coup de poing, indirect, dans le bide. Il y a de la sauvagerie dans ce corps hirsute en proie à la violence, dans cette voix qui insulte et profère, bien que le corps soit raide. Mais c'est une sauvagerie que Diderot ne calcule pas, rebiffé soudain, en proie à la fureur. Faudrait quand même pas qu'il me fasse trop chier, ce cinglé. C'est ce qu'il se dit. Une fois debout, la douleur au ventre le croche de nouveau. Il jongle, ça l'énerve, et c'est lui qui charge. Tête baissée, il s'engouffre dans Jacob tel un bison, tel une locomotive. Bourrasque de muscles et de graisse, le choc est violent. Jacob, titube. Pardon, Jacob. Le choc est violent. Jacob éructe, en apnée soudain, se recule et de nouveau s'étale sur le dos. Le spongieux l'accueille dans un chuottement de vase. Diderot avance et se tient maintenant debout, énorme, jambes écartées au-dessus de lui. T'as 2 secondes pour dégager d'ici, 2 secondes avant que j'appelle. Mais Jacob, qu'il croyait neutralisé, au tapis, se cabre encore, le saisit aux chevilles de ses 2 mains tendues, le tire en avant, Diderot tombe sur le cul, de nouveau s'affale, splatch. Et alors c'est la bagarre. Il sourit. Il se trouve beau à côté d'elle. Il aime que sa fille l'envahisse comme le dehors envahit la capsule, s'y engouffre, reconfigure leur présence et débride leur mouvement, tout autant que la libre circulation de leur fantasme. Il aime le rapport de leurs 2 corps qui grandissent et rapetissent comme dans un conte magique à mesure qu'ils se touchent, à mesure qu'ils enclenchent maintenant les gestes banals d'une première fois, et que la cabine de verre, elle, devienne la scène toujours renouvelée des intrigues. Il passe une main latérale sous ses cheveux et la tire contre lui, tandis que son autre main remonte sous sa robe, le long de sa peau si concrète. Comme si le toucher créait les corps. Elle se penche pour l'embrasser en le prenant à la gorge. Puis ils se déshabillent l'un l'autre sans se cogner une seule fois. Elle se décolle juste assez du tableau de bord pour qu'elle puisse glisser sa culotte sur ses chevilles. Lève juste assez pour qu'elle puisse lui déboutonner son jean et fléchir sur ses jambes pour lui rouler son caleçon au sol. Puis rejette juste assez ses épaules en arrière pour qu'elle fasse coulisser sur ses bras le long de sa chemise. Et quand vient le moment de la pénétrer, cela se complique encore juste assez. Elle doit tout de même réussir à écarter ses jambes, si longues, et pour cela coller le dos contre la vitre, sans pour autant basculer complètement vers l'arrière et relever son sexe. Il doit tout de même se placer à juste hauteur et parvenir à lui glisser les mains dans le dos, à les plaquer sur ses reins et à trouver assez d'amplitude pour la ramener vers le ventre, pour qu'elle ait à pirater le sommet sur la veille. Maintenant, elles sont seules dans la pièce. 2 tours photophores l'une en face de l'autre. Et dehors, il fait nuit. Pour habiter la géographie, il faut des corps. Et donc, on va parler de l'écriture des corps dans vos romans, qui ont une grande importance dans la manière de les décrire. Par leur diversité, on voit, notamment dans Corniche Kennedy, parfois des corps prodigieux, notamment quand Eddie saute de la corniche, fait partie du ciel, de l'horizon. On a vraiment un corps qui se transcende, et on a également des corps pleins de carences, notamment au niveau alimentaire, avec les enfants, enfin les jeunes de la corniche. Par contraste, avec cette description très approfondie des corps, on a une description psychologique de vos personnages, qui parfois ressemble un peu à des archétypes, et sont finalement un peu moins approfondies que la description des corps, en fait. Et j'aimerais savoir que vous nous parliez en tout cas de la raison pour laquelle vous avez choisi de faire pencher la balance du côté de la description des corps, de leur interaction avec le paysage, avec la géographie, au lieu d'une psychologie plus... Ouais, exactement.
personnages des livres, ils sont souvent borderline dans la mesure où ils sont dans des situations. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que écrire, créer des personnages romanesques, des personnages de romans, c'est toujours d'avoir instauré des corps, des silhouettes, qui sont aussi des poids, des vitesses, des éclats, des lumières, etc. La façon dont ça impacte ou pas les corps, les espaces. Mais j'ai aussi le sentiment que ces personnages ne peuvent pas être hors sol, c'est-à-dire justement dans la mesure où ils tiennent pas du tout, ils sont jamais en surplomb de la situation, c'est qu'ils sont en train de vivre et ils sont jamais dans une espèce de méta, de méta tout court, de méta conscience, de méta langage, ils sont totalement ancrés dans la situation dans laquelle ils vivent, qu'ils éprouvent. Et ils y sont plus qu'ancrés, ils y sont complètement incorporés, complètement raccordés. Et de fait, je les conçois aussi comme des précipités d'intensité qui sont aussi celles qui sont les intensités qui les traversent, mais des intensités qui sont aussi liées aux espaces et aux situations. Et de fait, ils ont souvent ils sont d'abord souvent très mobiles de cette histoire de funambulisme. Je retiens quand même l'idée de la mobilité, ces personnages qui sont mobiles parce qu'ils sont complètement incorporés dans une action qui est en général quand même un mouvement. Et puis si vous voulez, ils ne sont pas construits comme des personnages de roman. Avec des, comme si leur psyché, leur intention, leur identité étaient dissociées de l'action du roman. Par exemple, dans Le Pont, les personnages, donc il y a ce personnage de Diderot qui est le directeur du chantier, finalement, il a sa fonction, il est requis par le roman, il est requis par la situation du roman, mais lui-même, on ne sait pas bien ce qui serait si on l'évoquait dans une semaine de repos dans un hôtel en Ardèche. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que les personnages sont d'abord des émanations. Incarnent aussi des situations, des fonctions, et sont traversés par les identités des espaces, et c'est ce qui leur donne leur caractère assez funambulique. Après, il y a l'idée borderline plus psychologique, c'est-à-dire que c'est ce que je vois dans l'idée du funambule, c'est l'idée de la frontière, de la limite, et vers quel côté on penche, et l'idée qu'on est dans des zones d'instabilité. Hein. Il y a aussi la fois le mouvement qui porte les funambules, et puis il y a l'instabilité aussi qui fait que par moment. Et ça, c'est vrai que ça a été le grand motif pour moi, notamment avec l'adolescence, par exemple. Dans Corniche Kennedy, le fait de mettre en scène un groupe d'adolescents, c'était essayer de capter et d'incarner ce moment de transition, de passage, où finalement. Qu'il y a un moment où la stabilité, elle n'existe que parce que ces corps sont propulsés par une forme de vitesse et de fièvre, de fébrilité, etc. Mais que s'ils s'arrêtaient, on a l'impression d'un vacillement, qu'ils savent pas, ils ne sont pas très affermis, ils viennent de quitter l'enfance, ils ont, je sais pas, entre 13 et 17, et 17 ans, c'est pas un âge où on est encore forcément très. On tient très fermement, donc c'est vraiment l'idée d'un passage, et du passage d'une forme de frontière, des personnages en transit. C'est vrai que cette idée-là, elle est de nouveau assez présente dans Tangente vers l'Est, où c'est une femme très instable, ou en tout cas en forme d'échappée, en forme d'embardée par rapport à sa vie, qui est Hélène, qui fuit un homme,
qu'elle aime peut-être encore, mais c'est pas bien. En tout cas, il y a quelque chose de borderline dans la mesure où elle n'est pas stabilisée et finalement immobilisée et tenue cadrée par voilà, une fonction, une action, une présence sociale, etc. Mais qu'elle est quand même sur une orbite qui l'éloigne de son... Enfin, au fur et à mesure que le livre s'accomplit, qui l'éloigne en fait de son amant russe et de la vie qu'elle a avec lui pour avancer vers une zone d'incertitude et d'étrangeté qu'est ce conscrit russe de 20 ans qui incarne l'inconnu pour elle et qui est une espèce d'altérité très radicale. Et c'est vrai que dans Le Pont, il y a encore des personnages comme ça qui sont... Parce que dans Le Pont, il y a l'idée évidemment qui est peut-être plus évidente des deux rives. Et finalement, ce funambulisme, il est plus présent dans la façon dont les personnages sont clivés, soit qu'ils penchent vers la forêt, c'est-à-dire vers ce qu'il y a d'archaïque en eux, le monde du dépassement physique, de tout ce qui nous... Le monde des pulsions, la forêt, c'est vraiment le monde de la douceur, mais c'est aussi un peu les chasseurs-cueilleurs, c'est un monde... de mythes, de pulsions, de très organiques, c'est une espèce de matrice comme ça. Et c'est vrai que selon que l'on penche vers cette forêt primitive ou vers cette ville qui déborde et qui est dans... Alors là, c'est le débordement permanent, les personnages penchent et basculent. C'est le cas de Diderot qui choisit pas vraiment tout au cours du livre. Voilà. C'est le cas de Summer qui comprend à la fin du livre simplement ce que c'est que la forêt. C'est le cas de Catherine qui rencontre Diderot et finalement elle est elle aussi téléportée vers cet homme qui fait que voilà, elle s'éloigne de son mari, de ses enfants, etc. Et surtout elle est téléportée vers un étranger puisqu'elle c'est une femme locale. Et finalement tous les personnages de mes livres sont quand même souvent, enfin j'ai l'impression que c'est souvent des personnages en tout cas animés d'un mouvement qui les déplace, qui les translate, qui les déporte et en tout cas qui les métamorphose. Enfin c'est souvent des personnages qui ne sont pas dans le même état à la fin du livre qu'au début. En ce sens-là, il y a une traversée qui peut être de l'ordre de la traversée des funambules. Et du coup, qui dit funambule dit vide, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écriture de l'espace, mais vous écrivez aussi vraiment le vide, que ce soit celui de la falaise duquel sautent les adolescents, mais vous attachez vraiment beaucoup d'importance à décrire, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais ces interstices, ces creux, ces failles, cet invisible, et ce microscopique aussi qui constitue cet invisible. Pour moi, le vide, c'est immédiatement, la peur, la chute. C'est immédiatement l'angoisse de la chute aussi parce que moi, je suis extrêmement vertigeuse. Enfin, je réagis assez, de plus en plus mal, en tout cas, me trouver en hauteur comme ça. Et alors, c'est quoi cette histoire de vide? C'est quand même toujours que pour moi, c'est ça. Ce que ça m'évoque, c'est que ça nous relie toujours à une cosmogonie, en fait, qui est l'attraction terrestre. C'est-à-dire que c'est quand même que si on se penche, on vide et ça chute. Qu'il y a quelque chose, quand même, qui fait que on est, que quoi qu'il se passe, on est englobé dans une espèce de cosmogonie et on est totalement tous égalitaires de ce point de vue-là. Alors, l'idée de remplir, enfin, l'idée d'écrire la peur, la chute, l'attraction terrestre, notamment le Corniche Kennedy, c'était vraiment un livre sur les chutes, hein, la façon qu'on a de se laisser chuter et d'y prendre du plaisir. Enfin, c'est vraiment un livre sur ça. Ça m'a étonné moi-même parce que je parle pas là du tout d'expérience personnelle. J'y vois aussi une forme de grande beauté, c'est-à-dire l'élan vers
vers quelque chose d'inconnu, enfin l'élan du plongeur. Et c'est vrai que j'ai écrit quasiment, enfin c'est un motif qu'on retrouve ensuite dans le pont, puisqu'il y a encore des sauts qui s'accomplissent, enfin, il y a encore la notion de vide qui est beaucoup plus d'ailleurs présente dans le pont, parce que les tours sont très hautes, parce que ça se fait au-dessus d'un fleuve, etc., qu'il y a des gratte-ciels partout. C'est une façon d'étager aussi l'espace. Et enfin, c'est vrai que dans Tangente, il y a l'idée de partir, et en fait, c'est le moment où le saut dans le vide est la métaphore du fait d'aller vers l'inconnu. Est-ce que c'est métaphorique de ce que serait que le geste d'écrire? J'en sais rien. J'ai pas forcément, moi, l'impression de me jeter dans l'inconnu quand je vais écrire. J'ai plutôt le sentiment, voilà, d'avancer dans une forme d'expérience. En revanche, l'inconnu est présent parce que je ne sais jamais forcément ce que je vais trouver et ce que je vais trouver. Après, moi, je parlerais plutôt... J'aimerais mieux composer avec le vide que vous me le dites. C'est-à-dire, ça me fait plaisir ce que vous dites, mais j'ai l'impression que mes textes sont parfois un peu envahis, un peu saturés. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai un peu précisément plus de difficultés avec à écrire le vide qu'avec le plein. J'ai l'impression qu'on est toujours même dans un surplein. Et ça me plaît finalement que l'on puisse y lire aussi une espèce de saisie du vide. Ouais, ça me fait plaisir de ça. Merci. Je vais passer la parole à qui? Oui, donc on passe du funambule à la lettre E pour épopée. Ce terme est déjà très répandu en règle générale et on l'entend très souvent dans les critiques de vos romans et même de votre part. Encore ce matin, vous avez parlé d'un moment d'épopée. De fait, j'aimerais savoir quelle idée vous mettez derrière ce mot, derrière cette idée d'épopée. Qu'est-ce qu'il y a d'épique dans vos romans et comment vous parvenez à introduire de l'épique en fait, dans vos romans? Ce que je mets derrière ce terme, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai une compréhension ou une représentation de ce terme qui reconduit sa définition précise. Pour moi, ce qui m'attire énormément dans l'épopée, c'est l'idée que, d'abord, c'est l'aspect de la forme archaïque. C'est-à-dire que pour moi, c'est tout ce qui m'attire dans l'épopée, c'est l'Iliade et c'est Homère d'abord. C'est-à-dire de revenir sur des anciennes formes d'écriture qui sont les formes du chant et du chant épique, etc. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est dans l'idée également que on n'écrit pas à partir de rien, mais qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que j'écris, mais aussi ce qu'écrivent d'autres auteurs contemporains, sont travaillés par des formes et anciennes, archaïques, et par des mythographies, en fait. En tout cas, moi je revendique, en tout cas, je pense que les derniers textes, en tout cas le dernier texte que j'ai écrit, il est très lisible de ce point de vue-là. C'est du point de vue du fait que voilà, une forme archaïque essaye de. Enfin, il fait empreinte et en tout cas est reformulé à l'aune du présent. Donc déjà, l'épopée, ça évoque, il y a tout cet arrière-champ, enfin plutôt ce hors-champ de l'épopée qui résonne beaucoup. Ensuite, ce qui me plaît, c'est que donc l'épopée, c'est un genre un genre littéraire où finalement l'action est au cœur l'action est le cœur du texte. Enfin, c'est le moteur du texte, c'est l'action. Ce qui propulse le roman, le moteur interne du roman, c'est la geste des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la mesure où, voilà, qu'est-ce que ça va construire comme type de héros et qu'est-ce que ça construit comme type de représentation. J'y vois quelque chose toujours d'assez énergique et quelque chose de choral, de collectif, etc. Donc, et ça, c'est des choses qui me touche aussi parce que je pense que les épopées, ça contient simplement des gens qui contiennent
de la vie, enfin, qui sont des gens extrêmement vivants, parce que animés, parce que progressifs, parce que dynamiques, enfin, qu'il y a des dynamiques internes, etc. Alors après, l'épopée, c'est la guerre, souvent, et c'est vrai que là, ce que je considère, moi, comme des textes épiques, par exemple, là, c'est clairement les deux derniers, Le Pont et Le Cœur. C'est vrai que c'est plutôt l'orchestration d'un travail collectif, c'est-à-dire comment... Un pont peut organiser une communauté et faire que des individualités, des sujets se rallient autour d'un travail commun. Et sur le dernier, comment une aventure qui est métaphysique et intime peut prendre une dimension collective et technique. Pour moi, je pense que ultimement, ce que j'entends dans l'épopée, c'est l'énergie de la langue, le chant de la langue. Quelque chose qui est lié vraiment à une forme de dynamique, d'action et de mouvement. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, l'idée du mouvement et de l'espace qui me touche beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu assez vite l'idée que Le Pont serait, par exemple, une épopée d'aujourd'hui. Quand le livre est paru, je me disais, mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça que je voulais faire. Enfin, c'était pas forcément très clair, encore que le terme d'épopée était là aussi quand j'écrivais. Mais pour moi, ça s'est aussi bien affermi. Le dernier texte, j'en parle davantage comme une chanson de geste, parce qu'on est dans une forme plus resserrée et avec un motif qui est plus... qui touche plus à la mort et à la vie. Enfin, en fait... à la question de comment se faire vivant. Mais au fond, le comment se faire vivant, c'est un peu l'axe un peu de mon travail. D'accord. Et du coup, en parlant du pont, j'aimerais savoir si le choix des noms tels que Diderot ou Thoreau participe à cette volonté d'épique, ou c'est simplement, je crois savoir que vous aimez beaucoup Diderot, donc est-ce que c'est juste un clin d'œil, une référence, ou ça participe à cette volonté d'épopée? Pas que, alors c'est pas qu'une façon de saluer des auteurs que j'aime. Alors Diderot, c'est peut-être l'auteur aimé. Enfin, c'est vraiment, je pense que quand j'ai lu Diderot, j'ai compris tout à coup tout la façon, enfin ce qu'était le jeu littéraire en fait, hein, et dans sa profondeur aussi assez métaphysique. Enfin, Jacques le Fataliste, pour moi c'est un texte formidable. Et puis après, j'aime aussi le rapport aux documents et à l'encyclopédie, au documentaire du grand. Enfin, c'est un personnage. Il y a l'idée du matérialisme enchanté, par exemple, qui est l'expression d'Élisabeth de Fontenay, qui est quelque chose pour moi qui est le matérialisme et le chant, le matérialisme lyrique, etc. C'est des choses que j'ai essayé ces mots, j'ai essayé de les approprier, de leur donner une place, enfin en tout cas de faire qu'ils peut-être conduisent aussi mon écriture, hein, cette idée de matérialisme enchanté. Pour revenir sur les noms, le fait est que c'est assez simple, tant que j'ai pas les noms, j'ai pas le livre, j'ai pas les personnages. C'est-à-dire c'est d'abord le livre des noms. Et en fait, je pense évidemment à des personnages, mais rien ne s'écrit finalement tant que j'ai pas les noms. Alors, ces noms, ils sont... Alors, moi, j'aime énormément... Enfin, ça me passionne l'onomastique, par ailleurs, c'est-à-dire l'anthroponymie, enfin, la science de ce que c'est que les noms propres, parce que finalement, le nom propre... Personne ne sait ce que c'est vraiment un nom propre, en fait. C'est quand même un drôle de truc. En plus, j'ai l'impression qu'on sous-estime énormément les noms que l'on porte, nous, les noms dans lesquels on vit. Enfin, vous voyez, le nom d'une rue, d'une ville, la façon dont la toponymie et l'anthroponymie travaillent nos existences. Alors, c'est pas le Lacan à deux francs, je m'appelle Bidule, alors je fais ça. Mais c'est quand même, c'est un imaginaire aussi, un nom. C'est-à-dire, c'est l'idée de faire aussi de penser que des noms propres, et en l'occurrence souvent des noms, mais des noms propres diffusent un imaginaire particulier. Et c'est vrai que, enfin,
voilà, encore une fois, un imaginaire qui est une silhouette, une vitesse, une masse, parfois un visage. Alors les visages apparaissent assez peu dans mes livres, on est surtout sur des lumières et des masses, etc., comme ça, des vitesses de déplacement. Et pour moi, ce qui est important, c'est de raisonner en termes de d'essence, c'est-à-dire que le nom d'une personne, c'est finalement ce qui va lui donner une forme de qui va être un peu l'essence de son personnage. C'est vrai que les noms sont excessifs en général, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'abus, je le reconnais, mais en même temps, c'est aussi une façon d'annoncer aussi que c'est le roman, c'est Summer Diamanti, c'est Catherine Thoreau. Alors, il y a évidemment des clins d'œil, mais qui sont finalement pas cryptés. À des philosophes. Bon, là, il y a le grand philosophe de la Terre américaine, Thoreau, qui est présent, et en face duquel il y a Ralph Waldo, qui est Ralph Waldo Emerson. Enfin, c'est les deux grands philosophes de la nature. C'est une façon de pouvoir aussi, par moment, juste inscrire Diderot et Thoreau vont prendre un café, c'est super. Enfin, ultimement, il y a une part de jeu comme ça. Mais moi, ce que j'aime réellement, c'est aussi les noms. Enfin, ça me passionne beaucoup, cette histoire de noms. Et c'est vrai que c'est une piste que j'investis, en tout cas que je questionne. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire, c'est pas de dire il faut avoir des noms de héros. Mais en revanche, c'est-à-dire qu'à la limite, si on est sur des initiales avec un point, comme font certains auteurs, voire un il-il-il, il y a des textes qui marchent, qui avancent et qui se déposent en nous uniquement aussi parce que leur force est tirée du fait qu'on a évidé les noms, qu'ils sont travaillés en creux et qu'on a expurgé tous les noms de ces textes. Hein. C'est pas mal aussi. C'est-à-dire que moi, je ne plaide pas pour le délire onomastique. En revanche, je pense que c'est une question qu'on doit se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un nom de héros ? Qu'est-ce que c'est que... voilà, qu'est-ce que c'est que Jenny Grandet ? Qu'est-ce que c'est que Swann ? Enfin, voilà, moi, pour moi, ces noms, ces sons... organise quelque chose d'assez profond dans les textes. Donc moi je vous avais parlé de la lettre I comme initiation. Donc il y a beaucoup de personnages dans vos romans qui cherchent leur voie, notamment dans Naissance d'un pan, depuis Summer Diamantis jusqu'à Diderot en passant par Catherine Thoreau. Ils cherchent leur voie. Et aussi dans Corniche Kennedy, par exemple. Les jeunes, ils cherchent à se faire une place dans le groupe, ils cherchent à trouver leur voix, mais avec X et toi. Et aussi, dans Préparer les vivants, il y a aussi l'initiation à la vie après la mort, par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? C'est un... Alors, je pense que c'est un temps, en tout cas, alors là, pour le coup, un temps de la vie qui est assez magnifique. Enfin, c'est le moment des commencements et c'est le moment de cette histoire de tous les possibles. C'est vrai que dans Corniche Kennedy, qui est quasiment un roman d'initiation, en fait, c'est-à-dire avec quasiment les rituels d'initiation dans la bande, les rituels de groupe, etc., et comment finalement, est-ce qu'on passe à l'âge adulte ? C'est la perte de l'innocence, etc. C'est vraiment un roman qui est pour moi, enfin, qui a été lu comme ça, et c'est une lecture que je comprends et que je peux revendiquer. Enfin, c'est-à-dire, la place de l'initiation est assez forte. Après, ces jeunes qui habitent le pont, et même cet Alyosha qui est aussi qui a 20 ans, mais qui est en fait dans cette espèce d'histoire de ce geste de déserter. Il s'avance vers autre chose qui peut-être finalement là, il prend le chemin peut-être de sa vie propre. Il y a aussi la captation d'un moment où tout est très ouvert et le moment où va se cristalliser la liberté. C'est des gestes de liberté.
ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que dans le pont, enfin dans mes derniers livres, les personnages sont en tout cas toujours dans des phases d'initiation. Alors, moi, ça m'intéresse d'autant plus ces histoires de phases d'initiation, qu'elles soient d'ailleurs opérées par des adultes, parce que par exemple, Summer, c'est son premier chantier, on comprend, on le sait, mais pour autant, elle a 30 ans. Enfin, vous voyez, donc c'est des initiations qu'on opère à l'âge adulte. Hein, donc c'est aussi l'idée qu'on peut toujours être initié, se réinventer, etc. Enfin, il y a tout ça aussi qui me travaille en fait dans cette histoire-là. Et dans l'idée d'une initiation qui n'aurait pas lieu qu'à l'âge de toutes les initiations. C'est qu'en fait, c'est l'idée, on a combien de premières fois à disposition dans la vie, c'est quoi ce stock de premières fois, comment il s'épuise, etc. On peut en garder finalement peut-être tout au long de notre vie des premières fois. Alors, Virgilio, c'est sa première... C'est la première fois qu'il va opérer en face du grand chirurgien. Summer, c'est son premier chantier. Pour autant, Diderot, c'est son dernier chantier. Mais on sent que cette histoire d'amour avec Catherine, ça le réinitie finalement à l'amour. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces histoires d'initiation, c'est que pour moi, ça résonne totalement avec cette histoire qui est pour moi très centrale, qui est l'histoire de l'expérience. Enfin, c'est l'idée de cette première fois comme première expérience, est-ce que ça dépose, est-ce que ça passe, quelle empreinte ça fait, comment on habite le monde après. Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui me touche et qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a quelque chose du roman initiatique. Il y a quelque chose de l'initiation, toujours du roman d'initiation, mais j'allais dire qu'il n'est pas que dévolu à l'adolescence, dans la mesure où je pense aussi que c'est beaucoup. Ce qu'on peut interroger, c'est la capacité à toujours se réinventer. Pour Alyosha, qui a quand même 20 ans, c'est changer de route, pour Hélène aussi. Enfin, c'est-à-dire, il y a des moments pour moi où l'initiation, ça marche avec la capacité que l'on a à se dérouter finalement, à bifurquer et pour capter quelque chose qui serait de l'ordre de l'invention de soi. Et ça me, étant donné que ça stresse dans l'expérience, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je traite rarement de personnages totalement stables qui sont dans une forme de satisfaction et de plénitude. Il y en a, mais c'est vraiment pas, ils ne sont pas majoritaires. Donc là, il va y avoir une seconde lecture. La méthode qui s'impose alors à mon projet requiert que j'examine sérieusement son préalable. Autrement dit, ce que ne peut être ce roman que je veux écrire. Procéder par élimination, retrancher ce qui ne peut pas être. C'est bien là le début d'une démarche rationnelle, propre à aménager un peu cette pulsion que j'ai d'écrire un roman. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations. Quand le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoiles, alors qu'il gelait à pierre fendre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, alors que le plateau continental reculait en dévoilant ses rayures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge. Donc je me dis, qu'est-ce que le roman pourrait bien devenir qu'il n'est pas déjà devenu ? Un pont probablement inférieur à 50 battements par minute. Quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnet luminescent sur l'écran tactile les chiffres 0, 5, 5, 0, et quand soudain, tout s'est emballé. Et même, en quoi la question de son devenir pourrait assumer d'être posée sur un mode transitif ? Devenir quelque chose, alors que devenir ? Le roman l'est ontologiquement, puisque processus dans sa pratique, disponible dans son genre,
hyperplastique dans sa forme. Puisque rejeton tardif et mauvais genre de la littérature, le genre bouton, vitaliste et sans manière, le genre séducteur, libéral et global, sans foi ni loi, le genre beau gosse et voyou. Cette nuit-là, donc, une camionnette freine sur un parking désert, s'immobilise de travers, les portières avant claquent tandis que coulisse une ouverture latérale. Trois silhouettes surgissent, trois ombres découpées sur l'obscurité et saisies par le froid. Février glacial, rhinite liquide, dormir habillé. Des garçons, semble-t-il, qui zippent leurs blousons jusqu'au menton, déroulent leurs bonnets au ras des cils, lissent sous la laine polaire le haut charnu de leurs oreilles et, soufflant dans leurs mains jointes encornées, vont s'orienter face à la mer, laquelle n'est encore que du bruit à cette heure, du bruit et du noir. Des garçons, ça se voit maintenant. Ils se sont alignés derrière le muret qui sépare le parking de la plage, piétinent et respirent fort, narines douloureuses à force de tuyauter l'iode et le froid, et ils sondent cette étendue obscure où il n'est nul tempo, hormis le fracas de la vague qui explose, ce vacarme qui force dans l'écroulement final, scrute ce qui gronde au-devant d'eux, cette clameur dingue où il n'est rien sur quoi poser le regard, rien hormis... Le roman a régurgité le théâtre et la poésie, en périphérie des affaires, du business, a réalisé l'absorption de l'épopée en la délaissant de son caractère sacré. Et surplombe la littérature, comme un mot d'or sur son socle depuis près de deux siècles. Surtout, protéiforme, polymorphe, transformiste, omnivore, il a travaillé sa capacité à se saisir de tout. De tout, pour peu que ça raconte quelque chose. Ensuite, pour poursuivre, merci d'abord pour cette lecture, et pour poursuivre la S comme scène, avec la question que vous avez déjà un peu évoquée, donc je vais passer très rapidement là-dessus, sur la question de l'écriture cinématographique et photographique de la scène, et aussi, Kevin, aussi, vous voulez vous interroger à propos de Julie Gavras. Oui, voilà, donc J pour Julie Gavras, qui, me semble-t-il, est chargée du projet d'adaptation cinématographique d'un nouveau roman, Naissance d'un pont. Donc, nous aimerions savoir déjà où en est le projet et si vous comptez faire partie de ce projet, soit en aidant à l'adaptation du scénario ou si vous aviez même votre mot à dire quant au choix des acteurs, ou si au contraire vous préfériez laisser toute la latitude à la réalisatrice et rester sur le côté. Alors, je vais commencer sur Julie Gavras, qui effectivement va adapter au cinéma le Naissance d'un pont. Elle travaille, j'ai pas lu le scénario, je crois qu'elle a écrit maintenant le scénario, ça a été assez long, je pense, pour elle. La difficulté était aussi de trouver un chantier possible, enfin je ne sais pas comment ils vont faire pour étant donné comment ils vont s'y prendre pour adapter étant donné le projet qui consiste quand même à une ville, une forêt, un pont, etc. Bon. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que mon travail soit finalement piraté par quelqu'un. Je ne souhaite pas du tout ni regarder, ni vérifier, etc. Il se trouve que je l'ai rencontré, qu'on a aussi on a de la sympathie l'une pour l'autre, et je pense qu'elle pourrait me montrer, me faire lire le scénario. Par ailleurs, je ne sais pas si moi je le lirais, parce qu'à ce moment-là, je peux être tentée de dire « Ah non, mais attends, c'est pas possible, il n'est pas du tout comme ça, il ne peut pas faire... » C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression quand même que j'ai fait, d'une certaine manière... Mon travail, j'ai fait mon film, enfin j'ai joué ma partie, c'est absolument pas compatible avec le fait qu'elle doit absolument maintenant se ressaisir de ça, le refiltrer, le pirater, le transformer et le faire sien. D'autant plus que
L'adaptation totalement littérale du livre me semble compliquée. Enfin, bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ont en projet. Après, il y a une façon que moi j'ai de régler un accord avec ce qui. Enfin, vous voyez, une proximité, une distance ou pas avec ce qui va être, ce qui va être produit. Et là, je me replace, si je peux dire. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout non plus l'idée de que je m'en fiche complètement. Si dans la, vous voyez, il y a une session de droit avec le fait qu'ils aient absolument demandé la possibilité d'utiliser le nom du livre, et il y a une façon après pour moi de régler ou pas une forme d'empathie, de geste vers le film qui peut aller d'après Naissance d'un pont de Maïk de Kerangal. Alors là, c'est le. Librement adapté d'eux sur une idée d'eux et complètement très très loin. Il y a une façon de. Il y a des tas de phrases qui sont possibles. Et moi, je me calerai un petit peu par rapport à ça. Pour moi, ce qui est très important, plus que le déroulé narratif, etc., c'est qu'il y ait un climat mental qui soit le même. Moi, j'ai déjà eu un texte adapté. Et c'est vrai que. Un court-métrage, et c'est vrai que c'était formidable parce que la réalisatrice avait une option très claire sur le texte, qui était une option personnelle, qui n'est pas celle que moi j'aurais choisie, qui était autour de la sensualité, l'érotisme, etc., dans une histoire de barque en Irlande. Enfin, c'est l'adaptation de Ni Flanc ni Couronne. Je n'aurais pas forcément mis cela en avant. Mais en revanche, le climat, cette espèce de chose qui est le climat mental, le tempérament de mon texte, je le retrouvais dans son film. Et c'est des qualités qui sont peut-être moins visibles à l'image. Enfin, vous voyez, mais c'est autre chose, c'est l'esprit de la chose. Et ça, on le reconnaît, on le sait quand même. Et voilà, donc ça. Et d'ailleurs, Dominique Cabrera est en train d'adapter Corniche Kennedy, etc. Donc, et je pense que il y a une façon d'être assez disciplinée. Enfin, moi, j'ai besoin de trouver une place et de m'y tenir pour aussi éviter de m'imposer ou d'envahir le travail de l'autre. Donc, j'ai plutôt choisi l'option de la séparation et au final de voir comment je règle une présence. Et c'est aussi en termes de temporalité, parce que un texte, ça s'écrit. Moi, je suis responsable du temps de travail que me demande un livre. Enfin, voilà, ce temps de travail que j'y consacre, j'en suis finalement maître d'une certaine manière. Les scénarios, ça peut être. Vous voyez, il y a un temps très long. Après, il y a le tournage, c'est très long, etc. Et moi, je pense que c'est aussi un monde où c'est un art et une industrie, les enjeux économiques sont énormes, etc. Du coup, ce serait très compliqué pour moi d'écrire, par exemple, Corniche Kennedy. Ensuite, le texte sort. Ensuite, on travaillait un scénario dessus. Et puis après, à un moment donné, moi, j'ai envie d'écrire autre chose. C'est trop long. J'aurais l'impression de. Et voilà. Et du coup, je contourne un peu la question. Est-ce que vous seriez capable ou vous auriez envie un jour d'écrire un scénario, mais d'une idée originale, ouais, en fait. Ça oui. Parce que, bon, ça, on voit la référence cinématographique. Ouais, ouais. Ça oui. Ça m'intéresserait. Mais vous savez, je pense que, par ailleurs, je sens que je ne serais pas du tout douée pour ça parce que. Moi, j'aime faire des phrases quand même, et du coup, je sais pas si vous avez vu un scénario, c'est l'enfer, quoi. C'est moi qui. Là, pour le coup, c'est des phrases très très brèves. Hein, on décrit une action. Il y a pas tellement de place pour la littérature, de fait. C'est pas du tout ça qu'on demande. Mais oui. Enfin, en tout cas, si j'avais à travailler. Pour le cinéma, j'aimerais le faire à partir d'une idée originale. En dehors de ce que j'ai pu lire sur la situation, qui est pour le coup, les situations et cinématographiques et narratives enfin, sont importantes dans les romans, mais l'idée de la scène, et notamment du tableau, l'est beaucoup. Et je pense à toutes ces scènes d'ouverture
par exemple celle qui a été lue sur le surf dans Réparer les vivants, ou alors par exemple dans Corniche Kennedy, le fait que la plate, par exemple, est pour moi, et d'ailleurs c'est explicite, je pense, dans le texte, c'est comme un plateau de théâtre, en fait. Il y a quand même, il s'agit de régler les entrées, les sorties, les déplacements, etc. C'est-à-dire que la scène, c'est vraiment l'espace central de là où ça se passe. Et pour moi, par exemple, dans Corniche Kennedy, je pensais énormément au théâtre. Il y avait cette idée d'entrée, la façon dont les regards étaient organisés, que moi, je sois toujours le point de vue du narrateur, soit celui quasiment d'un spectateur, enfin, qui puisse regarder ce qui se passe sur cette plate où s'ébattent, vivent les adolescents, avec la façon dont ils s'approchent les uns les autres, dont ils se parlent, etc. La scène, c'est important dans mon travail, dans la mesure où ça reconduit l'idée de théâtre. Et comme je l'écris dans Corniche Kennedy, c'est d'ailleurs une phrase qui est tissée à partir de textes d'Antonin Artaud, c'est-à-dire la citation ne doit pas être si loin, c'est « le théâtre ne peut se séparer de la vie », surtout dans un roman d'initiation, d'histoire de bande, il y a l'idée du spectaculaire, il y a l'idée de « on se montre, on fait des démonstrations ». Pour moi, ce livre-là, il est très lié à ce qu'est la scène dans Corniche, dans Naissance d'un pont. La scène, pour moi, c'était l'ensemble, c'était plutôt le plateau, ce qui serait plutôt le plateau d'un film, c'est-à-dire je visualisais totalement l'ensemble. Voilà. Mais c'est important, le terme de scène. Très bien. Donc, si on a le temps, peut-être passer à la dernière lecture. La nuit est haute quand Jacob sort de sa maison et remonte le long de la rivière, s'éloignant peu à peu du village. Le noir est dense, saturé de matière et de bruit. Jacob avança l'oreille. La lumière des étoiles peine à passer sous les arbres. Trop de zigzags, trop de ricochets à opérer. Mais quand elle s'y infiltre, les luisances d'une douceur de paraffine touchent alors une pierre, une feuille, de l'eau, et fournissent aussitôt des ombres au corps de Jacob. Une troisième dimension, autrement dit, de quoi construire l'espace, de quoi avancer. Il se donne rendez-vous au sortir du virage, après Malmousque, quand la corniche réapparaît au-dessus du littoral, voire rapide frayée entre terre et mer, lisière d'asphalte. Longue et mince, elle habite la côte tout autant qu'elle contient la ville, en ceinture les excès, congestionnée aux heures courantes, fluide la nuit, illuminée alors. Son tracé fluorescent simule dans les focales des satellites placés en orbite dans la stratosphère. Elle joue comme un seuil magnétique à la marge du continent, zone de contact et non frontière, puisqu'on la sait poreuse, percée des passages des escaliers qui montent vers le vieux quartier ou descendent sur les rochers. L'observant, on pense à un point déployé que la vie affecte de tous côtés, une ligne de flux, planétaire, sans extrémité. On est toujours au milieu de quelque chose, en plein dedans. C'est là que ça se passe, et c'est là que nous sommes. Un jour, elle est partie. Sylvestre le voit, lui fit qu'il laisse tout derrière elle, le dos large comme Tania. Il a sipé son sac, embrassé la grand-mère et pris la tangente. Dents serrées, pieds nerveux, la tangente, c'est exactement cela. Nuit froide sous des bâches à l'arrière des camions, toilettes de chat dans les aéroports ou les stations-service, café de hall de gare pris dans des gobelets brûlants. Elle a traversé des fleuves, passé des frontières, marché dans les tunnels, elle a eu peur, elle a couru, elle s'est cachée, elle a menti, elle a reçu des coups, elle en est donnée. Elle a payé pour chaque goutte d'essence et chaque souche de grain, a payé de sa personne. Elle avait cru enfin souffler quand elle s'était retrouvée un dimanche d'avril sur la corniche Kennedy, assise sur le parapet de béton, paupières closes, chauffées doucement sous le soleil tendre, la mer bruissante au devant d'elle, échouée mais vivante, 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 un moment de grâce qui n'avait pas duré. Hélène se lève et refait tout le chemin en sens inverse.
reconnaît des visages qu'elle salue, de nouveau sourit au Provonitsy et arrive devant la porte de son compartiment. Le Baïkal apparaît. Il est là, au loin, côté couloir. Fragmentaire d'abord, ruban liquide aperçu entre deux versants de collines. Soudain immense et parme, filant la course du train. On crie alors dans le wagon « Baïkal, Baïkal !» et les passagers se précipitent hors des compartiments dans un bon mouvement d'ensemble. À ses côtés, dans une confusion de sacs multipoches et de fermetures éclairs, on a sorti en nombre appareils photo et caméras vidéo. Tandis que les téléphones portables, eux, sont maintenus à bout de bras n'importe comment. On capture les images du lac infini. Les rives en pente douce, les hameaux de villégiature désert, les isbas de bois, le rivage si proche sans la moindre vague, à peine un clapotis. On capture tout ce qu'on peut tant que le lac demeure visible et s'étire, velouté, lisse, miroir du ciel. Pas une ride sur l'eau. Seule une barque solitaire quasi immobile dans le soir qui tombe. Au pied d'un arbre, froide et humide, une pirogue. Jacob la détache, l'approche, y grimpe. Il s'éloigne du bord en prenant appui avec sa rame contre la berge. Et bientôt le voilà qui flotte à travers bois. S'il connaît le chemin, il n'est jamais sorti seul de nuit en forêt. Opération sensible, semblable aux sorties dans l'espace que font les cosmonautes. L'excitation et la terreur conjuguées au fond des mêmes entrailles. Et cela requinque Diderot, cela le revigore, il remonte en selle, hop, et voilà qu'il tourne le dos à la ville et au Finistère futur, s'oriente vers la plaine blanche, de nouveau ses pneus sifflent sur le bitume, de nouveau le plaisir d'être véloce, de fendre l'air comme s'il était matière, de nouveau la joie de pénétrer l'espace, tête la première, couché sur le guidon en position de vitesse et faisant corps avec la machine, cheveux et vêtements faisant un bruyamment dans l'atmosphère, comme autant de drapeaux minuscules, alors Diderot rit aux éclats, l'air glacé qu'il avale lui sèche la gorge, mais il ouvre la bouche, ses dents gâtées de dépôts tabagiques luisent au soleil et sa grosse langue tout terrain bat sur sa lèvre inférieure, l'air qu'il expire s'échange contre celui du cos, c'est un étrange vertige, comme si sa seule présence faisait exister l'espace autour de lui, comme s'il en était à la fois le centre et le moteur. À ce point-là, c'est l'extase, les forces conjuguées de son corps et de ses roues propulsant avec la fermeté d'une pièce d'artillerie. L'embarras des cyclistes prend tout son sens. Diderot décolle, plane, soulevé, et ses pensées se matérialisent elles aussi, roulent dans son cerveau, tangible comme des cailloux et précises. Il a les idées claires. C'est toujours sur son vélo que tout se décante, que tout se cristallise. On aurait tort de se fier à la régularité de ses gestes, au soin qu'il prend à ne pas frapper trop brutalement la surface, pour éviter que ça claque, justement, et que les fracas assourdissent ne serait-ce qu'une seconde la rumeur du massif. On aurait tort de se fier à la précision de ses mouvements, à ses fesses contractées au fond de la coque, à son buste droit, à son visage ouvert et à ses yeux qui travaillent à déchirer la nuit anonyme. On aurait tort de croire à tout cela, car c'est de fièvre qu'il s'agit. Une fièvre noire, issue de la colère, une suffocation de bible. L'océan apparaît comme le dernier jour, une quarantaine de kilomètres avant la dernière coque, c'est de la traverse. Hélène n'est sûre de rien, mais il y a cette clarté là-bas, cet horizon gazeux, aérien, et le paysage qui se dilate, ralenti, dérobé sous un léger voile. Elle plie ses yeux, des surfaces liquides éclatent ça et là, auréoles qui bientôt se touchent, et alors c'est la mer, là, au sud du Rhin, l'océan Pacifique. Qui n'a rien d'indigo sous cette certitude, rien du cyan polynésien, rien de turquoise ni même bleu, rien du zinc. On va peut-être demander à Marie-Lou et à Marine Bonnetti de venir. Merci de votre écoute attentive déjà. On espère que cette petite expérience auditive sonore vous aura intéressé et plu, vos maïs de Kerangan ainsi que donc, le public. Alors c'est vrai qu'au début on avait pensé à des effets pyrotechniques, des flammes, tout ça, mais un peu le budget. Et, bon, c'est pareil, on n'a pas osé y penser. Donc, en deux, trois mots, un peu l'objectif de ces mises en voix, donc, était de mettre en relief certains aspects de l'œuvre de Maïs de Kerangal, et notamment la notion d'espace, donc, puisque
puisqu'elle est fondamentale dans son œuvre. Bon, Annie de Cordagabelle en a assez parlé, je pense, tout au long de cette rencontre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, dans la première séquence, vous avez pu entendre des textes autour de l'écriture des corps, avec du sexe et de la violence. Donc, dans la seconde séquence, donc, un dialogue, quelque chose d'un petit peu plus didactique et théorique sur le roman en construction. Et vous avez pu y entendre surtout le premier chapitre du dernier roman de Maïlys de Kerangal, Réparer les vivants. Donc. Ce dialogue, donc la première voix c'était effectivement Réparer les vivants, la seconde voix c'était un extrait d'un ouvrage collectif intitulé Devenir du roman. Donc on a lu un extrait de la partie écrite par Maïlys de Kerangal. Quant à la troisième séquence, puisqu'il était question de paysage, voilà, l'idée était de mettre en avant cette écriture pleine de tout en paysage, pleine de tangentes, de lignes de fuite, de trajectoires. Voilà, bon, j'ai arrêté. Donc je voulais remercier Marin Bonazzi, sans quoi rien n'aurait été possible, puisque donc c'est l'homme qui s'est trouvé au confluent des câbles tout au long de la rencontre. Donc il est musicien, électroacousticien, il vous en parlera voilà, plus en détail. Donc Marie-Lou et moi-même, nous sommes réunis à plusieurs reprises avec Marin donc pour travailler sur ces textes, pour choisir les textes, pour décider la manière dont nous allions les sonoriser, les spatialiser. Puis il a fallu, donc c'était des patchwork de textes, donc il a fallu faire ces montages. Donc voilà, il y a quand même un certain travail de préparation. Non, un peu, pas tant que ça. Pour lequel moi personnellement je me suis beaucoup enthousiasmé, j'imagine que vous aussi. Je voulais remercier aussi les lecteurs qui se sont prêtés au jeu avec talent et enthousiasme également. Voilà, merci à toutes et à tous. Ouais. Marie-Lou, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. J'ai trop parlé. Peut-être que vous souhaitez réagir à ces mises en voix. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci et je voudrais aussi dire une forme de... J'admire beaucoup le travail qui a été fait, notamment sur la préparation de la rencontre en général, avec les abécédaires et tout, la façon d'interroger les textes. Mais effectivement aussi sur ces mises en voix. Ça m'a donné, notamment dans le fait que le fait de disperser les lecteurs aussi reconstruisait tout un espace entre nous. J'ai trouvé ça beau. Et moi, j'ai aussi eu le sentiment de redécouvrir, de réentendre des textes voilà, que sur lesquels je ne suis pas penchée toute la journée. Donc c'était... C'était un moment très riche et je vous remercie beaucoup. Alors, peut-être un mot sur ton travail. Bon, j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure sur la géographie avec beaucoup d'intérêt, parce que s'il y a une dimension qui est propre au travail électroacoustique, c'est justement l'espace par rapport à la musique instrumentale. Donc on a la possibilité de travailler sur l'espace et c'est ce qui m'avait frappé dans vos textes et qu'on a essayé de prolonger ce à quoi on a essayé de faire écho un peu de façon peut-être comparable. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre un texte et son illustration, comment on peut à la fois faire écho et en même temps des fois décaler un peu le regard, renouveler le regard qu'on peut porter. Donc c'était ça l'idée. Alors c'était pour nous autant la géographie très topologique, donc les descriptions, des descriptions de lieux qui sont parfois vraiment impossibles. Donc ça c'était assez amusant aussi de mettre en son des lieux qui peuvent pas exister, quoi. Et aussi une géographie sociale, ça c'est, je trouve qu'on voit vraiment le rapport, donc des distances qui sont installées entre les personnages ou des zooms, des dézooms.
Donc autant sur le plan de leur corps que de ce qui se passe entre eux, des rapports qu'ils peuvent tisser. Voilà, c'est ce qui m'a le plus frappé, qu'on a essayé de prolonger dans cette mise en espace. Mais je l'avais vu comme ça, ça m'a beaucoup frappé sur le, par exemple, la Jacob Diderot, par exemple, et aussi les moments dans Tangente vers l'Est. Enfin, déjà la façon dont les textes ont été découpés puis remontés ensemble. J'ai trouvé qu'effectivement, on voyait bien, il y avait la construction d'une épaisseur et d'un espèce de feuilletage de voix et d'espaces différents. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, en fait. C'est intéressant. Je trouve que c'était beau. On va s'arrêter là, nous, de notre côté. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Maïs ? À propos du roman Corniche Kennedy que j'ai beaucoup apprécié, je voudrais savoir en fait d'où c'est parti. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman? De quoi vous vous êtes inspiré? Quand je fais un retour, voilà, j'essaie de bien voir, de retrouver tous les linéaments de causalité qui ont fait qu'à un moment je me suis mise à travailler là-dessus. Je vois que j'étais déjà dans le sillage d'un livre précédent sur l'adolescence qui s'appelait Dans les rapides et qui mettait en scène trois filles de 15 ans au Havre, ma ville natale, et qui était un livre sur la musique. Et qui était d'ailleurs un livre qui était une commande, enfin une demande d'une éditrice qui lançait une collection autour de la musique et la manière dont la musique construit les identités adolescentes. Et j'étais dans le sillage de ce travail sur l'adolescence et je pense que je ne l'avais pas du tout épuisé. C'est-à-dire que j'étais arrivée au bout de ce texte sans, en ayant sûrement encore beaucoup d'autres... envie d'écrire encore en fait. Donc il y a eu cette histoire là je pense que donc l'idée de l'adolescence comme sujet, comme motif, etc., c'était très présent, et ça a croisé, et ça quand même c'est un impact assez que l'on repère très bien à la lecture d'un fait divers sur dans un journal sur un accident qui avait eu lieu sur la corniche Kennedy d'un adolescent qui avait sauté, et il n'y avait pas assez de fond, donc il y avait eu une issue dramatique en tout cas à cette histoire-là, à la suite de quoi il y avait eu un désir de la municipalité de sécuriser l'espace. Et cette histoire-là m'a beaucoup frappée. Dans la mesure où, sans connaître Marseille vraiment, enfin j'étais allée une ou deux fois à Marseille, mais en tout cas sans connaître le fait qu'il y avait des plongeurs à cette époque-là, enfin qu'il y a des plongeurs à Marseille en tout cas, j'ai relié cette histoire d'adolescents qui plongent et qui prennent des risques
à l'adolescence, évidemment, et à la prise de risque physique qu'il y a souvent à cette période d'excitation, etc., de cette période de groupe, de bande, et au fait que je me suis rendu compte, par exemple, que des plongeurs, j'en voyais partout. J'en voyais beaucoup, j'en voyais sur la corniche varoise un peu après Marseille, mais aussi finalement en Normandie, enfin, je me suis rendu, et aussi en Ardèche, enfin, dans tous les lieux où j'allais, je me disais, mais au fond, il y a toujours des jeunes qui sautent. Dès qu'il y a un promontoire rocheux, dès qu'il y a une hauteur au-dessus de l'eau, d'une rivière, etc., il y a, ou de la mer, il y a des jeunes qui se rassemblent et qui sautent. C'est quelque chose que j'avais beaucoup observé. Et alors, je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est pas du tout... il n'y a jamais d'enfants qui le font, parce que les enfants ont peur, ou alors s'ils le font, ça prend des heures, parce qu'il y a tout le monde, vas-y, saute, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas des enfants, et c'est pas des adultes. Ça, c'est sûr que c'est pas des adultes qui le font. Comme si, finalement, cette action de plonger, de sauter, de s'ébattre, de s'élancer dans le vide... cristallisait, reconduisait, incarnait un certain âge de la vie qui était l'adolescence. Et à ce moment-là, tout s'est un peu bouclé. Et ça s'est bouclé à Marseille parce que même si je ne connaissais pas Marseille, j'avais peut-être pas passé de nuit à Marseille, par exemple, au moment où j'ai écrit ce livre, mais en revanche, j'avais déjà été à Marseille. Et j'avais vu la corniche Kennedy, et notamment l'aspect très spectaculaire et très théâtral du lieu. Et je pense que tout ça s'est complètement... ça a cristallisé, comme on dit. Enfin, en tout cas, c'est le désir de d'écrire s'est instauré de cette manière, d'écrire là-dessus. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire par les plongeons. Comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord écrit toutes les histoires de plongeurs, de bandes et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bon, là, ça, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, du coup, l'intrigue policière et tout, qui est un peu comme ça, bon. Et voilà. Mais je pense qu'il y a eu, à un moment donné, l'impact du fait divers, par exemple, qui est venu faire résonner quelque chose qui était en place, qui était le roman d'initiation, l'adolescence, le commun, qu'est-ce que c'est qu'une bande, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Merci. D'autres questions ? En vous entendant, on a l'impression que vous avez beaucoup de goût pour des notions mathématiques ou physiques très simples, le mouvement, les masses, les courbes, les tangentes. Donc je me posais la question de savoir d'où vous venez ce goût. Et par ailleurs, je me disais, parce que moi-même j'ai une formation scientifique, que peut-être vous pourriez écrire un roman... avec des idées fondées sur la thermodynamique. Ça vous irait très bien, qu'il y a sûrement beaucoup de métaphores merveilleuses à aller chercher là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas du tout de compétences particulières dans les maths, mais c'est vrai que j'ai les mathématiques et la science, mais c'est vrai qu'en revanche, je ne les sépare pas. Enfin, vous voyez, cette fameuse césure entre ce qui serait du domaine des mathématiques et de la science, pour moi, a sa réflexion dans le domaine littéraire et poétique. Et d'ailleurs, en ce sens-là, enfin, je ne suis pionnière de rien, enfin, au sens où il suffit de lire Baudelaire ou Edgar Poe, enfin, ne serait-ce que le rapport des poètes aux étoiles. Enfin, l'idée que finalement, en termes de cosmogonie, la géométrie spatiale, etc., ça a pour moi immédiatement, je me le représente parfois en termes poétiques. Après, comme je pense aussi que
les œuvres littéraires, les textes ont des mouvements, des pulsations, etc. Je me les représente quand même donc dans une espèce de physique. Et ils ont une physique, en fait, un livre assez physique. C'est vrai que c'est encore une raison pour laquelle, pour moi, les choses ne sont pas séparées. Et quand je dis, par exemple, qu'un personnage est d'abord une masse ou a une lumière, c'est quand on dit que quelqu'un est plutôt solaire ou que quelqu'un est sombre ou qui est ombrageux, etc. En fait, peut-être que sans s'en rendre compte, on manie des notions qui sont des notions physiques ou chimiques. Et ça, pour moi, c'est important. Je pense que c'est une forme d'imaginaire qui se déploie de cette manière. L'idée que je ne sépare pas... vous voyez, il n'y a pas le domaine de la poésie, de la littérature, et puis voilà, des lettres, et puis le domaine des sciences. Il n'y a pas du tout de césure comme ça qui... existe pour moi. Et d'ailleurs dans le Naissance d'un pont, quand le texte a été reçu beaucoup sur deux modes qui m'ont assez fait sourire. D'abord, comment on peut faire un roman avec la technique, c'est-à-dire comme si, enfin, c'était une façon de redire que la technique, la physique, le monde le monde de la construction, de l'architecture, de toutes ces formes, ces formes qui organisent quand même nos espaces, etc. Ça n'avait pas vraiment droit de citer dans le roman, qui devait rester le monde des relations interfamiliales, des affects, etc. Comme si ça, c'était le monde du roman, et que finalement, la geste des hommes, hormis la guerre, ça n'avait pas vraiment droit de citer. Et ça revenait beaucoup dans la réception du texte. Et la deuxième chose, c'est comment une femme peut faire un texte sur la construction des ponts. C'est un roman d'homme, c'est un roman viril, par exemple. Comme si, et donc ça, je le dis aussi parce que pour moi, ça se reconnecte avec l'idée mathématiques garçon, littérature fille. Enfin, la façon dont on met un peu en orbite les élèves, parfois, alors pas tous, évidemment. Là, je suis un peu sur des grands clivages qui peuvent vous sembler des clichés. Mais pour moi, j'entendais beaucoup ça quand on me disait ça. Il y a quand même un lieu où je suis arrivée. Et alors, ils n'avaient pas du tout regardé... d'ailleurs, c'est tout à leur honneur de ne pas avoir googlisé avant, forcément. Mais quand même, ils pensaient que j'étais un homme. Donc, en fait, ils n'ont pas... et même mon prénom, pour eux, leur faisait voir quelqu'un d'un genre masculin. Donc, quand je suis arrivée, ils étaient « Ah bon, mais c'est vous !» etc. Et j'ai dit, mais oui, c'est moi. Et là, j'ai senti une espèce de, pas une catastrophe, mais un côté, ah bon, mais... Et j'étais étonnée quand même pour le prénom qui, pour moi, enfin, si on fait des sonomastiques, Maëlys, pour moi, ça fait quand même un peu fille, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Mais alors, pas du tout pour eux. Et du coup, ils s'attendaient à voir débarquer un homme. Et voilà. Et c'est sur ces deux... Donc tout ça pour vous dire que pour moi, il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, quand j'étais venue à La Grâce, je ne sais pas si Dominique Bondu est là, j'avais lu une nouvelle sur le ciel, en fait, parce qu'il y a tout le rapport au ciel, à la géographie spatiale, la cosmogonie, etc., qui sont des domaines des mathématiciens grecs, etc. Pour moi, il y a quand même une visée immédiatement poétique qu'on retrouve chez Edgar Poe d'ailleurs, enfin, ou chez Stevenson, etc. Je fais pas la scission, et sur la thermodynamique, je serais assez d'accord. Et t'as fait ce livre avec Luminae. Et puis j'ai... Ah oui, c'est vrai. Et j'ai fait c'est vrai, l'an dernier, j'ai écrit un texte autour du travail d'un photographe. Un texte qui s'appelle « Villes éteintes ». Et ce photographe avait demandé à deux personnes d'écrire, moi et Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien. Et finalement, d'ailleurs, lui, il a presque fait œuvre de poète et d'écrivain. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout mis en avant, finalement, sa compétence et sa science d'astrophysicien dans son texte. C'est comme si on avait échangé nos places, et moi j'ai davantage pris en charge dans ce texte le processus du photographe qui en fait
a fait un travail sur la nuit dans les villes, c'est-à-dire il a photographié des cieux étoilés dans des déserts, et en se plaçant sur la même latitude, ensuite il a photographié des villes, et puis il a rapporté ces cieux sur ces villes. Donc en fait, on a l'idée ce que serait le ciel autour de Shanghai ou de Sao Paulo, ce que serait un ciel étoilé si ces villes n'étaient pas illuminées. C'est tout un travail qui interrogeait beaucoup justement des calculs de latitude. Enfin, il y avait quand même, notamment pour dénicher, pour trouver, pour s'installer dans les déserts et dans des zones assez noires qui pourraient correspondre aux latitudes des villes dont ils voulaient photographier le ciel. Enfin, j'espère que je suis assez claire. Et là, c'est vrai qu'avec Jean-Pierre Mignet, on a travaillé, mais ça... On a échangé nos places, pour le coup. Il a eu envie d'écrire plus des choses plus poétiques et tout. Et moi, j'étais très sur comment on a fait, le processus, etc. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'il est temps d'arrêter pour tout le monde. Marin doit partir. Vous aussi, Maïlis, vous êtes attendue. Merci beaucoup.